Une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le vieillissement de la peau. On a le relâchement, c'est la perte de définition de l'ovale, et on a la peau qui va se friper. Et elle peut commencer à se friper jeune, parce qu'on commence à avoir une perte de collagène. Alors, c'est quoi le collagène? Comment est-ce qu'il est fabriqué? Il est fabriqué par une cellule qui s'appelle le fibroblaste. Cette cellule, lorsqu'elle est jeune, elle est en forme d'étoile, comme ça. Et elle fabrique du collagène de type 1 et de type 3 dont on a besoin dans la peau. Lorsque cette cellule va vieillir, elle va devenir sphérique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? On va utiliser en injection des inducteurs tissulaires, des inducteurs de collagène. Notamment, moi je vais utiliser Harmonica. D'abord, vous avez de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique va stretcher le fibroblaste, il va le remettre en position étoilée. Après arrive l'inducteur tissulaire. Va produire du collagène. Et comme mon fibroblaste est stretché, il va pouvoir fabriquer du bon collagène de type 1 et de type 3. Vous allez avoir un résultat qui va apparaître un mois après l'injection. Donc il faut être patient et vous allez même avoir un meilleur résultat 3 mois après. Ça, c'est pour enlever le côté fripé. En faisant ça, vous aurez un très joli résultat qui ne donne pas un aspect gonflé au visage et qui va lisser la peau. Entretenez votre fibroblaste, entretenez votre collagène. On commence dès que les signes apparaissent, on anticipe parce qu'après, on n'a pas le même résultat.